Hey, hey, bonjour à vous tous. Je vous reviens aujourd'hui avec cette nouvelle petite vidéo. J'espère que vous allez bien. Ça va être une petite vidéo où on va tester un nouveau produit. Alors, il n'est peut-être pas nouveau pour vous, mais pour moi, il est nouveau. Et je voulais vraiment le tester. Voilà, donc on va réaliser un petit make-up. Je vais vous donner quelques petites bonnes nouvelles de ma petite mammographie, hein. J'ai été très contente, elle m'a dit qu'il n'y avait rien du tout, ça m'a pas fait mal, donc c'est merveilleux, voilà. Pensez à bien vous dépister, hein, les filles, hein. N'hésitez pas, faites pas comme moi de reculer, sous prétexte d'avoir peur. Franchement, allez-y, au moins vous serez rassurées après. Voilà, tout va bien. Bon, en attendant, j'espère que vous aussi, vous allez bien. On va réaliser un petit make-up tout simple. C'est juste pour tester un nouveau mascara. Alors, nouveau, comme je vous disais, peut-être pas pour vous, mais pour moi, oui. Donc, je vais faire un make-up tout simple. J'ai utilisé mon fond de teint de chez Kiko, le Unlimited Foundation SKFPF de 15. Et c'est le Warm Rose 60. Voilà. Donc, petit fond de teint est posé. J'ai redessiné mes sourcils toujours avec mon crayon taupe de chez Lovraine. Et là, on va passer à un petit make-up tout doux. Alors, je vais déjà mettre des paillettes, enfin de l'irisé sur mes paupières, puisqu'on va vraiment venir avec juste, c'est le mascara qui... Voilà, que je veux vraiment tester. Donc, on va faire vraiment quelque chose de très très simple, très rapide. C'est juste pour venir tester le petit mascara. Donc, déjà en premier lieu, je vais déjà mettre une petite couleur irisée sur ma paupière. Et j'ai envie de mettre quelque chose de assez vif. Donc, je vais venir prendre le Sugar Me qui est dans la palette Sparkle. Donc, là, je mets que de l'irisé sur ma paupière. Comme ceci. Bon, j'espère que vous allez bien, hein. Allez, je mets que de l'irisé sur toute ma paupière. Alors, je n'hésite pas à remonter assez haut quand même, hein. Donc oui, pour la mammographie, les filles, c'est vrai que quand c'est la première, ben moi je suis tombée sur une petite dame très gentille qui m'a dit, bah, écoutez, c'est votre première. Je vais vous expliquer un petit peu parce qu'on entend de tout et de rien. Et elle me dit, souvent les gens ont peur de venir faire la mammo. Et donc, ils retardent, ils retardent, ils retardent. Et quand vraiment ils vont faire leur mammo, c'est qu'ils n'ont pas le choix. Et souvent... Il peut y avoir des catastrophes parce que ben, le cancer est déjà présent. Donc, elle m'a dit, je vais vous remettre bien dans le contexte, puisqu'on entend de tout et de rien. Après, je pense que la dame était très douce. Elle m'a vraiment dit, dès que vous sentez que ça vous compresse, vous me le dites et j'arrête là. Du moment qu'il y ait assez pour voir à l'image, elle m'a dit, moi, ça me conviendra. Et franchement, ça s'est super bien passé. Bon, elle m'a mis dans une pièce à côté. Alors, je vous avoue que j'ai eu un petit peu peur. Parce qu'elle m'avait dit, on fait déjà quatre petites images. Si ce n'est pas, si, comment dire, l'interprétatrice médecin juge qu'il faut faire une écho parce qu'il y a ci, il y a ça. On refera une écho derrière, pardon. Et donc, elle m'a dit, donc j'ai eu un petit peu peur parce qu'elle me dit, je vous mets au service de l'écho. C'est juste pour vous faire patienter, pour passer l'autre dame. Mais moi, je m'étais fait tout un film. Hein. Je me suis dit, ça se trouve, elle va m'annoncer qu'il y a quelque chose. Et non, non, elle m'a dit que, enfin, la dame est venue après, le docteur est venu en me disant, tout est normal, il n'y a rien. Donc, réponse vraiment définitive à recevoir à la maison. D'ici un mois et demi, mais normalement, il n'y a rien. Donc, je suis soulagée. Soulagée d'avoir fait l'examen qui me... Enfin, moi, on m'en avait fait tout un truc. Et au final,
Non, franchement, je regrette pas d'avoir fait. Voilà, donc vous voyez, j'ai mis tout mon petit irisé sur ma paupière. Donc ça vient bien illuminer mon regard. Donc je ne vais pas faire énormément de choses puisque j'ai vraiment envie de donner le ton sur le mascara. Voilà. Je vous ai choisi une petite palette comme celle-ci, du bleu. Hein, c'est la Pocket Palette de chez Sephora. J'avais acheté aussi la rose. J'ai la marron, j'ai la rose. Et la rose, Chanel un jour est tombée dessus et je suis rentrée du travail. Elle avait les pattes toutes violettes. Donc celle que je préférais, bien sûr. Et du coup, voilà. La rose n'existe plus puisque Chanel s'était fait du make-up sur ses pattes. Mais il me reste la bleue. Qui est très jolie aussi, regardez les teintes, franchement. Et puis il me reste la petite marron. Alors là, j'ai envie de vous prendre ce petit bleu là pour venir me faire un petit ras de cils inférieur. Et oui, aujourd'hui c'est différent le make-up. J'avais envie de faire ça différemment. Donc là, je fais un ras de cils inférieur avec ce bleu. Donc, je suis venue prendre la couleur. Celle-ci, qui est très très jolie, je trouve. Je vous ferai les swatchs. Hein. Peut-être que vous la connaissez. Donc, je vais me faire juste un ras de cils. Très très belle nuance. Hein. Donc, je vais accentuer un tout petit peu ici. Très très jolie couleur, franchement. Bien irisé comme je les aime. Je me fais un liner inversé en fait. Et là, je vais venir prendre la deuxième teinte. C'est celle-ci que je vais venir mettre un tout petit peu pour mélanger un petit vert, un beau petit vert pailleté aussi. Je vais le mélanger avec ce petit vert. Très joli, hein. Donc, j'agrandis bien au niveau extérieur. La combinaison des deux fards, franchement, c'est très très joli. J'aime beaucoup, moi. Et je vais venir mettre un petit crayon noir dans la muqueuse. Donc, pour mon crayon noir, je vais prendre mon petit crayon noir comme ça, crayon Kohl, et je vais venir mettre dans ma muqueuse inférieure. Et je vais garder le mascara pour la fin. Je vais venir mettre un petit peu de fard à joues. Donc, c'est le fard à joues de chez Max & More. Le 164 Dusty Rose.
petit rouge à lèvres. Donc pour le rouge à lèvres, je vais venir mettre un petit marronné. Crayon là de chez Max & More. C'est la teinte Creamy Taupe 03. Petit gloss, je vous ai pris un petit gloss de chez Laetitia Wells comme ceci. C'est les Shine Beauty. Donc je viens le secouer parce qu'il y a une petite bille dedans. Donc est-ce que c'est pareil que un certain rouge à lèvres? J'aime beaucoup ces gloss là. Ils sont colorés. Ils sont très agréables. D'odeur, enfin une petite sente, un petit goût de chewing-gum. Je vais venir mettre un petit peu d'highlighter, donc je prends mon petit highlighter de chez Action. Hop. Je trouve qu'au niveau pigmentation, celui-ci est vraiment très très doux. Très, très doux. Et bon, il se voit quand même. Hein. Voilà. Je viens l'estomper un petit peu. Mascara. Donc, qui n'est pas peut-être nouveau pour vous, mais pour moi, il est. C'est le Sky High de chez Maybelline, mais en bleu. Il y a un petit moment que je voulais un mascara bleu, mais pour en avoir acheté dans plusieurs marques sur mes cils, ça ne se voit pas. Je m'étais dit, il faudra que j'essaye celui de chez Maybelline pour voir si on le voit sur mes cils. Donc, ça va vraiment être le test. Je serais déçue si on ne le voyait pas. Donc il a une superbe brosse comme ça. Donc moi j'aime beaucoup ce mascara là, hein, le Sky Height. Je l'avais acheté en normal et déjà j'avais déjà beaucoup aimé. Donc je pense que celui-ci, si le bleu se voit. Parce que je trouve qu'il a une bonne, il définit bien les cils, il les sépare bien. Sa brosse est très pratique. Malheureusement, on va essayer d'en passer plusieurs couches parce que j'ai bien l'impression que mes cils sont trop foncés. Alors en tout cas, au niveau application, définition, il est top. Franchement, moi j'aime beaucoup sa brosse. Alors je sais qu'une année j'en avais acheté un, je ne sais plus quelle marque c'était qui faisait ça. Je me demande si c'était pas Jemé. Et il était, mais d'un bleu électrique, très très beau. Il était super beau et se voyait super bien. Alors la brosse est en silicone, elle est un peu flexible. Voilà ce que ça donne. On voit un petit peu quand même. Regardez. Ouais, c'est plutôt sympa. Je suis plutôt contente parce que on le voit. Comparé à certains
autres mascaras que j'ai achetés teintés. Au moins, on le voit. Je suis très, très, très contente. Bon, par contre, je pense qu'il faut vraiment faire plusieurs applications. Si vous êtes comme moi, que vous avez des cils très, très noirs, je pense qu'il va falloir en mettre plusieurs couches pour que ça se voit bien. Mais franchement, je suis contente. Je vous fais le deuxième œil et je reviens. Voilà, j'ai fini mes deux yeux. Franchement, je suis très contente du mascara. Hein. Le Sky 8 de chez Maybelline en bleu. Franchement, je suis très contente de l'avoir trouvé. Il m'a coûté 13 euros chez Auchan. Donc franchement, je ne regrette pas de l'avoir pris. Voilà. J'espère que ce petit look vous plaira. N'hésitez pas à vous abonner, à partager, à venir liker ma page. Et en attendant, je vous souhaite une très très bonne journée et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Prenez bien soin de vous. À très vite. Bisous.